Bienvenue à ce numéro du débat du dimanche qui va parler de la Tunisie où les institutions se mettent progressivement en place après les législatives qui ont donc vu l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Les Tunisiens sont aux urnes aujourd'hui pour le deuxième tour de la présidentielle. Nous allons également parler du nouvel Aménokal à Kidal, le chef coutumier des Iforas. On va également parler de la traque à Wadoussen Wanted, en tout cas si l'on en croit cette interview du président Ibrahim Boubacar Keïta, et également la détente entre Cuba et les États-Unis, des questions qui seront abordées par nos invités Adam Thiam du Républicain, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, Omar Sangaré, juriste, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Près de 4 ans après la révolution du Jasmin qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali, les Tunisiens élisent pour la première fois et de manière démocratique un président de la République, un deuxième tour qui a eu lieu ce dimanche entre la figure de l'opposition Moncef Marzouki et le chef du parti anti-islamiste. Nous écoutons ici quelques réactions au sortir des bureaux de vote. Les 5 ans à venir seront 5 ans avec un gouvernement stable, avec un gouvernement qu'on a choisi, avec un président qu'on a choisi. Et donc, on pourra travailler correctement par rapport aux 3 dernières années où il y avait beaucoup de problèmes. La Tunisie restera une référence dans le monde arabe et gardera l'image d'un pays pionnier. Si le pays choisit de retourner en arrière, ce sera la fin de tous ses progrès. Je suis fier du peuple tunisien et j'espère qu'ils sépareront le bon grain de l'ivraie. Voilà, Omar Sangaré, 4 ans, hein, près de 4 ans après avoir chassé Ben Ali, les institutions se mettent progressivement en place. On le disait, après l'Assemblée nationale, on est en passe d'avoir pour la première fois un président démocratiquement élu. Oui, bien sûr, on ne pouvait pas souhaiter meilleure sortie de la révolution du Jasmine que de pouvoir au moins s'en rendre compte qu'évidemment les Tunisiens sont assez matures pour au moins choisir dans l'isoloir le candidat ou celui ou celle qui serait à mesure de mener à bon port la destinée du pays tunisien. Maintenant, ce qu'il convient de retenir dans cette élection, c'est qu'après 4 ans de transition chaotique, les Tunisiens retrouvent un peu leur marque démocratique. Même si, du jamais vu dans l'histoire de la Tunisie, on en a assisté à une élection véritablement démocratique et ouverte. Aujourd'hui, nous y sommes. Voilà que la réalité se redessine autrement. Et nous souhaitons que par la suite des événements, ça puisse se faire dans les bonnes conditions stables et qu'au finish, les Tunisiens puissent retrouver celui qui pourrait au moins leur tenir pendant 5 ans et dans les bons termes. Maître Konaté, sur ce scrutin. Oui. Cette sortie de crise. La transition a été longue, 4 ans, mais il faut quand même rappeler que durant ces 4 années, les Tunisiens ont quand même abattu un travail assez remarquable. D'abord un travail de reconstruction de l'État, un travail de remise en place des institutions, un travail d'élaboration et un travail durant lequel, pendant 4 ans, c'est la 3e consultation électorale qui se déroule et qui va aboutir sans doute à l'élection du président de la République. Même si aujourd'hui le chef de l'État tunisien est dans une position institutionnelle qui n'est pas la même que celle que l'on voit ailleurs en Afrique, il est incontestable aujourd'hui que la démarche politico-institutionnelle et juridique en Tunisie aujourd'hui va aboutir à la mise en place d'un système qui est un système véritablement authentique, qui prend en compte aujourd'hui la réalité tunisienne, l'environnement tunisien, et je souhaite que ce système aujourd'hui puisse inspirer d'autres. Okay. Dans le monde arabe, tout est parti de là. Tout est parti de la Tunisie et tout revient là finalement. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est une transition qui était moins sanglante qu'ailleurs dans le Maghreb. Si vous prenez par exemple l'Égypte, ça a été un échec puisqu'il y a eu un président démocratiquement élu et après l'armée est revenue aux affaires. Vous avez aussi le cas libyen qui n'est pas terminé aujourd'hui. Donc c'est une transition pacifique. Ce qui me frappe moi, c'est quand même le retour de, parmi les deux finalistes, le retour de... d'un ancien, un historique qui était un proche de Bourguiba à l'époque. Il a quand même 88 ans, monsieur et Saïd. Et ça, ça me frappe. Ensuite, il n'y a que 200 000 l'écart de voix entre les deux candidats au deuxième tour est de 200 000. Donc ça veut dire que c'est tendu. La dernière chose qui me frappe, c'est que
Vous avez un candidat, le compagnon de Bourguiba, qui dit que lui, il est laïque, et M. Marzouki, qui lui dit, enfin, on l'accuse du moins de vouloir s'accaparer ou de draguer, si vous permettez l'expression, les voix islamistes. Oui, Adam Thiam, sur ces élections qui vont couronner la sortie de crise. Alors, donc il faut sortir de la crise. Ce n'est pas encore évident. Si on écoute les deux challengers, oui, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème d'acceptation des résultats. Et ça n'est pas bon pour la démocratie tunisienne qui est issue quand même de la première révolte dans le monde arabe, un événement salué de par le monde. Et puis, il y a eu cette transition que vous avez appelée chaotique. Je ne sais pas si c'est une transition chaotique, mais c'est une transition qui a posé deux problèmes. Le problème du repli identitaire tunisien que nous avons vite fait de prendre pour de l'islamisme. Et puis, derrière ce repli identitaire, vraiment, était caché, à mon avis, le parti Ennahda, qui avait un discours et une pratique plus ou moins islamiste. Alors, ce qui se passe en Tunisie, c'est la confrontation en deux générations. Celle de Marzouki, beaucoup plus jeune, qui incarne toute la légitimité révolutionnaire, et celle de Essebsi, qui est une espèce de refuge, parce que la population tunisienne a eu peur de ce que le parti Ennahda a fait et est revenu à quelqu'un qui est un bourguibiste, en tout cas par l'âge. Okay. Je ne pense pas qu'on puisse parler de conflit en deux générations. Le premier candidat a 88 ans, c'est vrai. M. Marzouki a 69 ans, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas les gens de 88 ans qui sont les plus nombreux à voter. Alors, en Tunisie aujourd'hui, sur 4 habitants, vous avez 3 habitants qui ont moins de 35 ans, c'est plutôt des jeunes qui votent. Ok. Est-ce que c'est qui je peut... parle des candidats. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que ce qui peut paraître aujourd'hui comme... une opposition intergénérationnelle n'est pas plutôt due au vécu des deux candidats, puisque le fait que Moncef Marzouki ait été ballotté jusqu'au deuxième tour ne traduit pas l'échec de la transition, puisqu'il a dirigé la transition. Que Essebsi puisse aller jusqu'au second tour, est-ce que ça ne traduit pas un peu l'échec, le rejet du vote islamique, par exemple? Juste avant de répondre à ce point, pour revenir tout à l'heure à ce qui semblait opposer Serge et Adam, visiblement, quand on parle de génération, il s'agit de génération politique. Mmh. Voilà. Ce n'est pas de génération liée aux individus voilà. qui aujourd'hui sont les deux candidats arrivés au second tour de l'élection voilà. présidentielle. Visiblement, c'est une génération politique. Je pense qu'il y a la génération donc, des conservateurs qui est incarnée aujourd'hui par ce candidat qui a 88 ans. Et l'autre, vous ne connaissez pas le nom. Et l'autre, c'est Et l'autre, je ne prends pas de risque de dire des noms pour ne pas me tromper ou pour ne pas écorcher les noms. Et l'autre, alors, donc ces deux générations aujourd'hui sont l'une en face de l'autre et on n'est pas sûr aujourd'hui que le système de transition qui est mis en place, qui a été mis en place, ait engendré véritablement la majeure partie des Tunisiens. Parce qu'aujourd'hui, à l'élection présidentielle, il y a quand même une bonne partie des jeunes qui n'ont pas participé. Mmh. Il y a aussi le taux de participation c'était qui est très faible. 65% oui, au premier tour. Au premier tour. Et il va être beaucoup plus bas au second tour. On va voir les chiffres tout à l'heure. Et pour terminer sur ce point-là, justement, il y a un gros risque. C'est ce que Adam pointait du doigt tout à l'heure. Visiblement, quand on prend l'écart de voix au premier tour, s'il y a le même écart de voix, il y a un gros risque, évidemment, qu'on ne soit en face d'un contentieux de contestation de l'élection, ce qui va nous ramener encore à des situations qui sont fort déplorables. Je suis d'accord, d'autant plus que il y a un soubassement de violence au cours de ces élections-là. Hier, de la nuit du samedi à dimanche... Il y a des postes qui ont été attaqués. Des postes ont été attaqués, il y a eu au moins un mort. Donc effectivement, pour une fois, Maître Konaté a raison. Sangaré. Dans ce tracé de belligérance, moi je trouve que l'instabilité va trouver son compte. Je suis d'accord avec lui tout simplement pour reconnaître qu'évidemment, tout oppose les deux candidats au second tour. D'abord, la fracture générationnelle n'est pas que politique. Contrairement à ce que l'autre l'a dit, elle est aussi idéologique. Par exemple, lorsqu'on se réfère à la pensée, c'est-à-dire à laquelle Bourguiba appartenait et que Saïd se réclame, c'est qu'il se déclare ouvertement anti-islamiste. Donc, qui parle d'anti-islamisme entre directement dans un tracé de belligérance avec Ennahda. Hein, qui de façon radicale se décrit comme étant un parti radical islamiste. Maintenant, du point de est-ce vue... Est-ce que vous voulez dire que le rapprochement de Moncef Marzouki avec Ennahda lui a été fatal, hein, puisque c'est apparemment un vote laïque. Les gens ont voté pour Essebsi. Mais bien sûr qu'actuellement dans le monde arabe, les gens ne semblent plus
hein, se positionner par rapport au radicalisme. Vu un peu les conséquences et les dégâts que les radicaux ont causés ça et là, donc personne n'est prêt aujourd'hui à s'aligner hein, totalement derrière cette idéologie. D'où l'idée de s'en démarquer autant qu'on le peut. D'accord. Maintenant, lorsqu'on voit un peu le raidissement des positions de part et d'autre, j'ai l'impression qu'évidemment, la Tunisie va vers un affrontement des idées avant que ça ne se décrète en un affrontement entre personnes. Maintenant, le jeu à couteau tranchant... Très rapidement, pour ne pas monopoliser. Le couteau le jeu à couteau tranchant, ça ne va pas se faire de façon violente aussi directement, mais par la suite, lorsque les positions vont se raidir, on va assister à ça. Hein? Okay. Mais Marzouki n'est pas un islamiste. Marzouki est tout sauf un islamiste. C'est plutôt le... il était proche des droits de l'homme. Il fait plus nouvelle génération que l'autre, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il y a un électorat qui se revendique un peu de l'islamisme. Donc, qu'on ne peut pas ignorer. C'est un peu comme au Mali ici, pendant les dernières élections, les militaires on l'a fait avec parce que c'était vraiment un poids donc qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais Adam, comment comprendre qu'il ait été applaudi en janvier 2011, Marzouki, et qu'aujourd'hui il se fasse balloter par Essebsi, 48 ans, ancien ministre de l'Intérieur de Bourguiba? Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a un style personnel qui ne plaît pas aux Tunisiens. Mais je suis convaincu, comme Sangaré l'a dit, qu'il paye aussi pour avoir fricoté avec le parti Ennahda, qui est progressivement monté, effectivement, de l'islam mou presque à l'intégrisme. Et ça, c'était contraire à l'esprit de la révolution tunisienne. Je crois qu'il paye pour ça. Mais vous avez dit tout de suite, est-ce que ce n'est pas un échec? Je crois que c'est un échec de voir, c'est un échec pour le projet politique tunisien de voir Essebsi, effectivement, arriver au pouvoir. Et c'est dans l'ordre du possible, puisqu'il vient de revendiquer, je crois, la victoire, contrairement au texte, contrairement à la loi électorale, il vient de revendiquer la victoire. Il est fort possible, effectivement, qu'il gagne. Mais ce faisant, ça veut dire simplement que c'est les tenants de la révolution du Jasmine qui ont été battus. Okay, juste deux petits points. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'apprécier la situation de Marzouki dans un contexte véritablement de suffrage universel aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut aussi prendre en compte cette situation particulière qui est qu'aujourd'hui, la Tunisie politiquement est disloquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que Saïb soit arrivé là où il est arrivé, c'est une réalité. Aujourd'hui, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue sociologique politique, visiblement, on est en face de deux camps qui se valent presque d'une manière ou d'une autre. Et le souci, c'est que le troisième larron, c'est véritablement Ennahda aujourd'hui. Mais qui Marzouki, va être assez déterminant. Marzouki n'a pas eu la tâche facile. Il y a d'abord l'usure du pouvoir. Il est resté quand même depuis 2011. Et ce que les gens pensaient très rapidement, c'est que après le départ de Ben Ali, tout de suite, c'était le contraire. Le pays se mettait sur les rails. Et donc, il a pris des coups, peut-être d'ailleurs comme un rat de laboratoire, parce qu'il n'a pas pu se protéger. Et qu'aujourd'hui, il est en train de payer le... D'accord. C'est un laborantin. Deuxième thème de cette émission... Les quatre terroristes, dont Wadou Sen, le bourreau du gardien de prison Kola Sofara, seront traqués où qu'ils soient. La promesse est du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était en début de semaine à Dakar, au cours d'une interview avec Radio France Internationale. Les quatre terroristes dont il s'agit ont été sortis de prison en échange de Serge Lazarevitch, l'otage français. Omar Sangaré, que vous inspire cette déclaration de l'espoir? Finalement, Wadou Sen, il sera traqué. Il y a des chances de le voir un jour dans les prisons bamakoises maliennes? Bon, tout est possible dans les paradoxes maliens. Parce que moi, je t'ai dit, tout est possible. De l'état de geôlier, il s'en est venu à l'état de quelqu'un qui est fugitif, actuellement, qu'on est en train de rechercher. Maintenant, si tu prends un peu la logique du président... J'ai l'impression qu'il semble faire dans ce jeu, mais ça, deux cas. Soit il reconnaît avoir, c'est-à-dire poser un acte qui n'a pas été en odeur de sainteté, qui n'a pas été bien apprécié par l'opinion nationale, ou du coup, il a compris que compte tenu de certaines réalités géopolitiques, il devrait au moins laisser ces dernières pour ensuite se mettre à sa traque. Chose qui est réelle, et là, si c'était vrai, si ça s'avérait la deuxième contexture, moi, je suis d'accord avec lui. Maintenant, la traque de Wadou Sen, ça se pose dans toute son acuité. Voilà quelqu'un qui s'est fait identifier par des enlèvements dont l'un est mort et l'autre
a été libéré. Maintenant, et on en arrive au scénario suivant, il était déjà sous l'orbite des services du renseignement français. Donc, si tel est le cas, dans une guerre globale contre le terroriste, Wadou Sen ne va pas sortir comme ça indemne. Il va falloir que l'État, à un certain moment donné, reformule la volonté de le poursuivre, de le traquer, de l'arrêter et de le traduire devant la justice. Okay. Je ne sais pas si ce serait la justice nationale ou internationale. Quand même, il doit être traqué et arrêté. Serge Daniel, Wadou Sen wanted. Oui, parce que lorsque le président de la République faisait cette déclaration, il y avait des opérations françaises dans le nord du Mali. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été libérés, mais il y avait une opération, semble-t-il, pour du moins se les traquer, pour pouvoir les éliminer. On a eu le compte rendu de l'intervention, de la dernière intervention française dans le nord, justement à un endroit où ce monsieur aurait été localisé. Et je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être que le président de la République savait qu'il y avait cette opération en cours et qu'il faisait de la communication pour dire nous allons les traquer pour que le lendemain on dise on l'a traqué. Donc voilà. Oui, Adam Tcham sur la question. Bon. Lorsque le président parlait, trois ou quatre jours avant, son ministre de la Justice avait déjà accordé une interview et il disait que les charges n'étaient pas abandonnées contre Wadou Sen et que par conséquent, on pourrait le chercher. Mais je ne sais pas pourquoi notre leadership se complique la tâche. Si c'est un objectif de reprendre Wadou Sen et de le juger, le plus simple, c'était de ne pas le libérer. Donc je ne crois pas, je crois que ça, le président l'a dit simplement parce qu'il a parlé. Alors la question pour moi c'est pourquoi il a parlé, parce que ça c'est un problème pas facile. Le président François Hollande a été questionné sur cette question, il s'est tu, le président Issoufou s'est tu, même le ministre nigérien des Affaires étrangères s'est tu, parce que c'était la charge éthique et morale de cela est énorme. Et je comprends qu'en tant que pays qui doit quelque chose à la France récemment, et je comprends que la France en tant que pays qui n'hésite pas à payer la rançon pour faire libérer ses otages, contrairement à d'autres pays, je comprends que c'était pas facile pour nous. Mais quand c'est pas facile, tu fais le silence est préférable. Et l'autre chose, pour répondre à Serge, si on reprend Wadou Sen aujourd'hui pour le remettre en prison, ça veut dire quoi? Qu'on a rompu un pacte avec les djihadistes, mais il y a encore trois Occidentaux entre les mains de ces djihadistes dont la vie vaut largement celle de Lazarevitch. Et je crois que tôt ou tard, nous serons tenus pour responsables de ce qui va arriver à ces otages occidentaux si jamais nous ne jouons pas franc jeu. Maître Konaté, sur la question. Oui, moi j'ai été pendant très longtemps troublé. Véritablement troublé. Et j'étais encore mal à l'aise quand j'ai entendu les explications par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'on peut comprendre le contexte dans lequel l'État du Mali a été amené à mener des actions. Mais au-delà des actions, aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un contexte d'abord où une seule chose doit prévaloir, c'est la justice. Wadou Sen et d'autres ont été traqués d'abord, ont été appréhendés comme terroristes. Et particulièrement, mon trouble, c'est par rapport à Wadou Sen lui-même, qui, en plus d'avoir été traqué et mis en détention pour des faits de terrorisme, a quand même eu une démarche violente à l'intérieur de la prison de Bamako, où il a tiré à bout portant sur un surveillant de prison. De ce point de vue-là, c'est quand même un droit commun. Alors aujourd'hui, que l'on rentre dans une espèce de troc pour des motivations d'intérêt national, d'affaires d'État ou de tout ce que l'on veut. Moi, je veux bien aujourd'hui. Mais il faut faire la part des choses quand il s'agit de justice. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la justice, c'est une victime et un bourreau. Et lorsque aujourd'hui, on met le bourreau dans un contexte beaucoup plus important et intéressant que la victime, il y a un souci de ce point de vue-là. Moi, j'ai écouté les explications du président de la République, mais j'étais encore plus troublé. Et aujourd'hui, Wadou Sen est dans la nature, je veux dire, aller le traquer, moi je veux bien, mais je vois pas pourquoi on irait le traquer, Adam l'a dit tout à l'heure, je veux dire, c'est quand même une rupture de l'engagement qu'on a pris, mais en dehors de cela, pourquoi le traquer aujourd'hui, là où on l'avait sous la main, et quelle est l'idée de justice que l'on veut vendre définitivement? C'est très important ce que tu dis, et je ne l'ai pas assez souligné, c'est que ce qui était facile, c'est qu'au lieu de le libérer, pourquoi dire aujourd'hui on va le chercher, alors qu'on pouvait ne pas le libérer tout simplement. Mais je vais aller plus loin pour quand même dénoncer l'hypocrisie
des pays d'où sont originaires les otages. C'est un dossier que je connais un peu. La France a demandé au Mali de libérer un terroriste pour pouvoir obtenir la libération d'un de ses ressortissants. La France a payé une rançon, parce que c'est comme ça, ça se passe. Donc ça a fonctionné en Y. D'un côté, il y a une rançon. De l'autre côté, on a libéré quelqu'un pour pouvoir obtenir la libération de Serge Lazarevic. Mais dès que ça se fait, le problème, c'est que c'est surtout le Sud qui porte le chapeau. C'est-à-dire que les associations de défense des droits de l'homme qui tapent sur le gouvernement malien, par exemple, je suis d'accord, mais on aurait pu avoir des réactions pour impliquer quand même dans cette déclaration les pays occidentaux. Parce que rien ne se fait sans ces pays occidentaux. Ce sont ces pays qui demandent aux pays africains, comme le Niger, comme le Mali, de payer des rançons, de transporter des rançons, ou de libérer des terroristes pour obtenir la libération des terroristes. Vous avez vu le médiateur nigérien, il ne parle plus aujourd'hui. Il avait commencé à parler, il ne parle plus. Parce qu'à partir du moment où on met les choses sur la table en disant, en fait, voilà, on a libéré un terroriste, et on a payé une rançon. Mais donc, c'est aussi simple d'obtenir la libération d'otages occidentaux. Ok. Omar, est-ce que ça ne c'est pas l'opportunité de parler des principes même de la libération des terroristes? Puisque non seulement on encourage le terrorisme à travers leur financement, mais on envoie aussi un message négatif à ces forces de défense et de sécurité qui risquent leur vie pour la capture de ces terroristes, les forces spéciales qui ont capturé Waloussène à Gao, les éléments des renseignements d'État qui l'ont capturé ici à Bamako à CI 2000 ont risqué leur vie. Et si on libère comme ça, est-ce que ce n'est pas l'occasion de revenir sur le principe même de la libération des terroristes? Mais encore une fois, la pensée qui consiste à dire véritablement que l'Occident et nous évoluons sur des résistances qu'on peut qualifier de géométrie variable et réelle. Par exemple, selon qu'on se réfère à la contexture américaine, française ou autre, la libération des otages n'est pas envisageable. Même à l'aune des trocs, des changements ou autres, d'interéchange, ça ne se fait pas. Mais pourquoi on nous impose? Parce que réellement, les gens ont tendance dans ce conflit Touareg-Mali, les gens ont tendance à oublier un facteur qui est extrêmement important. D'où l'idée de la constance, de la présence de la force française, ou du moins des pesanteurs exogènes, qui font que les détenteurs de pouvoir à l'intérieur de nos États n'ont pas suffisamment de coups de franges pour pouvoir s'en tirer à bon compte. Maintenant, ce qui semble s'imposer dans toute sa dimension, c'est que réellement, nous sommes dans un univers étriqué où il y a plein de cartes qui n'ont pas été encore abattues, où l'opinion n'a pas été suffisamment éclairée sur les tenants et les aboutissants, et d'où que l'on sort des analyses que j'appelle des sentiers battus, de l'ambiguïté idéologique, on reste un peu sur une posture, c'est que la France est encore maîtresse de notre devenir. Okay. Et la France a encore la dernière carte par rapport à la résolution de ce conflit et son implication plus ou moins négative et imposante, fait peser beaucoup d'incertitudes sur la réalité de la rébellion au Mali. Adam Thiam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La France est aujourd'hui un des déterminants de la sécurité et de la stabilité du Mali. Et de ce point de vue, on ne peut pas faire fi de la France. La question que vous posez, il y a trois. Il y a le principe même de la libération des otages. Il y a la libération de l'otage Kewad Dosen parce que c'est un cas spécifique. Et puis, il y a le fait qu'un président de la République a cru devoir à parler de ça. Franchement, à la place du président, je me serais tu. Parce que c'est simplement très difficile de justifier ceci. Pour ce qui est du principe même de la libération des otages, ça va au-delà du Mali. Hein. On voit ça dans beaucoup de pays. Et le drame, c'est pas nous, c'est la France. Je ne pense pas qu'un pays qui est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme doit demander ce genre de choses à un pays. Okay. Les Américains ne l'auraient pas demandé. Les Britanniques également. Les Britanniques non plus. Un tour sur la page Facebook de l'émission pour prendre cette réaction. Issaka Kouma qui dit « Waloussène ne sera plus jamais arrêté car le président l'a déjà prévenu, donc il prendra ses précautions. Pourquoi le libérer pour le traquer de nouveau? C'est vraiment honteux. » Mais Serge, est-ce que aussi ça ne pose pas le problème de la communication? Savoir quand parler et quand est-ce que ce n'est pas approprié de parler, l'entourage. Peut-être quelqu'un pouvait dire au président que cette sortie n'était peut-être pas appropriée. Nous l'avons dit ici à la dernière émission, tu n'étais pas là, ça t'arrive. Et effectivement, la gestion de la communication de cette affaire pose des problèmes. D'abord, le ministre de la Justice
s'est exprimé à l'extérieur, alors qu'on aurait pu baliser la communication ici, ils ont quand même brouillé les pistes jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que ceux qui avaient même les sources d'infos les plus fiables, on dit non, on n'a jamais libéré, non. Et puis, la tension a monté, finalement, ils ont été obligés de reconnaître. Je crois qu'il y a eu un problème de communication sur la gestion de la libération de ces otages-là. Okay. Maître Konaté, qu'est-ce que vous avez fait à Serge? Je ne sais pas. Il s'acharne sur moi, alors qu'en réalité, le sujet donne l'occasion de s'acharner surtout sur des arguments qu'il a d'ailleurs. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans ces affaires-là, on ne peut pas mentir pendant très longtemps. Mm. Et on ne peut pas se taire non plus pendant très longtemps. Mais quand on décide de parler, je pense qu'il faut parler en vrai. Dire aujourd'hui qu'il y a eu quatre djihadistes qui ont été libérés en réponse à la libération du français, c'est une évidence. Mais dire aujourd'hui que ces djihadistes ont été libérés et puis après qu'on va les traquer, c'est ça qui est incompréhensible et inaccessible aux gens. Et le deuxième point, s'il faut pousser encore, c'est quel était le statut judiciaire de ces quatre personnes? Qui les a libérés? Sur la base de quoi? Je pense que là-dessus, il faut que l'on réfléchisse, il faut que justement cette démarche de communication aille jusqu'au bout. Et l'État du Mali, le peuple du Mali, la nation malienne, à la limite, est prête à tout. Simplement, il faut leur dire des choses qui soient logiques, qui soient compréhensibles et qui leur permettent aujourd'hui de se dire véritablement le Mali a été aidé hier, il n'y a pas de raison que le Mali aide aujourd'hui. Mais cette explication qui consiste à dire oui, mais on est venu nous libérer et puis en contrepartie, il faut donner ça. Pour moi, ça ne tient pas trop là. Ça semble assez short. Okay. Un mot pour vous dire que je vais vous faire une révélation. Il y a d'autres terroristes qui ont été libérés dans cette affaire dans un autre pays voisin du Mali. Qui? Quel pays? Mais ce qui semble... Un dernier tour de table avant de venir au prochain thème. Mais dans cette histoire, ce qui semble davantage exaspérer l'opinion, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits et le président semble un peu à tenir à, je ne dirais pas à bon escient, les discours, où que ça se doit et comment ça se doit et que dire, que ne pas dire. Maintenant, dans la rétention de l'information, je ne suis pas beaucoup partant pour ça parce qu'on est dans un contexte où, effectivement, comme il a dit, l'opinion a suffisamment besoin d'informations logique, vrai, vraisemblable, et ce n'est même pas des choses qui se contredisent à tout bout de champ. Mmh. Par exemple, quand on libère aujourd'hui et on se met dans une posture de traque, moi je pense qu'effectivement c'est paradoxal. Quelqu'un qu'on avait entre les mains, s'il faudrait qu'on le laisse partir pour ensuite courir derrière lui, moi je me dis, mais à quoi bon? Est-ce que l'État va passer tout le restant de sa mandature à courir derrière quelqu'un déjà qui était dans les mailles de la justice? Okay. Et maintenant, ça ne se justifie pas. Et probablement Wadou Sen, qui a eu l'opportunité de participer aux funérailles de l'armée locale de Kidal. Oui, on connaît désormais le nom du nouveau chef traditionnel, Mohamed Ag Intala, succède à son père, Mohamed, qui semble avoir été préféré à son frère Kadé Al-Gabas, qui lui est leader du Haut Conseil pour l'unité de la Zawad. Déjà sur le décès de l'armée locale de Kidal, Maître Konaté, en plein pour parler un mot déjà sur l'homme, mais avant de parler des autres implications. Je le connais très peu, moi, donc je ne pourrais pas trop en parler. Mais ce dont je pourrais parler, c'est visiblement quel peut être l'impact justement de ce décès sur le processus et puis surtout sur la détermination de cette famille-là, de cette communauté-là, par rapport à son engagement vis-à-vis du maintien de l'État national. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas de doute que les perspectives doivent être les mêmes, parce que visiblement, ce vieux notable a été malade pendant quelques temps, a eu le temps sans doute de passer les messages essentiels. Et visiblement, cette personne qui reprend la suite aujourd'hui est une personne qui sans doute est aguerrie, probablement un peu plus mûre que les autres, et mieux à même aujourd'hui de pouvoir poursuivre un peu des perspectives qui puissent nous amener aujourd'hui de régler la crise au Nord, d'aller vers la paix et d'aller vers l'entente et la concorde nationale dans le cadre de la réconciliation nationale. C'est tout ce que je peux dire. Une observation d'abord, la première photo que vous avez montrée, c'est pas la photo de Mohamed Ag Intala. Ça peut arriver, c'est la photo de Harib, qui est le porte-parole du Haut Conseil pour l'unité de la Zawad. Ça, c'est pour les téléspectateurs. Tout à fait. Parce qu'Africap, c'est du sérieux. C'est pour dire que vous connaissez bien. Ça m'arrive. Voilà. Donc, mais moi, je pense que j'ai connu le vieux Intala. Je l'ai vu deux ou trois fois. Il est très sympa. Il est quand même au pouvoir depuis. Il était quand même au pouvoir depuis, assis dans le fauteuil depuis 1962, quand même. Donc c'est un vieux de la vieille. Ce qui a frappé, c'est que pendant les trois premières rébellions, contrairement à ce qui se dit, ce que moi j'ai entendu, contrairement,
Les trois premières rébellions, il a pris parti plutôt pour le Mali. Il a condamné ces rébellions. Moi, en 2006, je me souviens, Yadar Ali avait mené une rébellion, il était retiré dans le Tirara, j'y étais, pas Maître Konaté, et je me souviens que, au retour, c'était capital, le vieux Ntala avait condamné les Yadar Ali. Ça, c'était vraiment important. Je pense qu'avec le temps, il a pris de l'âge. Est-ce que il gérait avec la même vigueur, la même lucidité que par le passé, j'en doute peut-être, mais c'est vraiment quelqu'un de très important qui est décédé. Vous avez vu, le Niger a envoyé son premier ministre, le Mali a envoyé le haut représentant du chef de l'État aux négociations d'Alger, l'ancien premier ministre Modibo Keïta. Les gens sont venus de la Tunisie, d'Algérie, d'un peu partout. C'est vraiment un baobab qui est tombé. Adam ? Bon, il est là depuis longtemps. Il faudrait que les gens sachent qu'il a été préféré à son frère aîné par l'administration coloniale et par l'État malien. Il faudrait que les gens sachent que le 14 novembre 2014, l'interview qu'il a accordée à notre confrère le sahélien.com, il dit très clairement qu'il était pour la séparation. Et même pas pour la fédération, etc. Donc de ce point de vue-là, même si nous avons vu un Intala très proche de l'État malien de 60 à la dernière rébellion, parce que n'oublions pas qu'il a été aussi député de l'UDPM pendant tout le temps qu'a duré effectivement l'UDPM, il a été, c'est vrai, opposé à la rébellion de 90-90-90, mais c'est parce qu'il pensait que la rébellion, et à juste raison, que la rébellion de 90 était contre tous les chefs traditionnels, et ça c'était vrai. Hein? Le mythe Iyad est né de cette rébellion, et ça n'était pas bon pour les Intala. Mais pour cette dernière rébellion, vraiment, c'était étonnant de voir le vieux patriarche, que tout le monde considère comme une espèce de Dalai Lama, demander la séparation, même pas la fédération. Je m'incline sur sa dépouille parce que c'était un grand monsieur. Serge n'est pas le seul à l'avoir rencontré, mais sa position sur la question de la Zawad reste très troublante pour moi. Omar Sangaré. Par rapport au rang qu'occupait ce vieux dans l'architecture touareg, je dirais un peu que ce personnage s'est révélé beaucoup plus controversé de tout le temps qu'il a eu à faire à la tête, hein, comme on l'appelle aujourd'hui Aminokal. Du début de la rébellion de 60-63, où il a eu à jouer un rôle tampon pour que l'apaisement puisse s'effectuer jusqu'au début de la dernière rébellion, moi je me dis, bon, derrière, si souhaitons que ça soit la dernière, si tant et si bien, il s'est révélé beaucoup plus controversé parce qu'il a défendu des positions de partition, c'est de l'étendue. Comme Madame Cham l'a dit, il s'était prononcé contre l'autonomie et contre le fédéralisme. Donc il dit ouvertement, il n'y a plus possibilité pour les Touaregs et pour l'État malien de pouvoir vivre dans un même et seul créneau. Donc si telle était sa position avant qu'il ne décède, il n'y a pas de doute que Intala soit véritablement un problème et non une solution pour le Mali. Maintenant, si on se souvient encore de cette dernière frasque qu'il a eu à faire, moi je me dis, sa prise de position était beaucoup plus radicale et sans faille. Il n'a jamais été d'accord sur des temps-ci pour que dans un système de normalisation et de résolution totale du conflit, qu'on puisse partir sur une base d'unification. Ouais. Donc, Intala était une menace et Intala était plutôt handicap que solution. Oui, certains pensaient qu'il n'avait pas toutes ses facultés. Oui, mais il avait vieilli. Il avait vieilli et quelqu'un qui avait très très bien compris qu'il avait vieilli et qu'il était très influençable, c'était apparemment Ambéry. Et Ambéry qui le pratiquait pendant 4 ou 5 heures par jour et qui a des positions effectivement séparatistes, celles du MNLA. Mais on n'oubliera pas non plus que par alliance, il avait
qu'en fait, le vieux Intala avait comme petite épouse la sœur de Bilal Akcherif, donc du MNLA. Et je crois que l'arrivée de Mohamed à l'Amenokala, comme on dit, permet de décanter le jeu. Parce que Mohamed a dit très clairement qu'il est pour l'État malien, même si il est extrêmement difficile dans cette zone grise de voir bon, vraiment des gens qui sont carrément pour l'État malien et qui le restent. Mohamed, en tout cas, aura un jeu beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible que son papa. Justement, c'est la question que j'allais poser. Il est plus lucide aussi. Oui, l'amour a ses deux vertus. Peut-être elle peut apaiser le cœur des successeurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans une dynamique de paix, ou tout simplement ça peut être aussi l'effet contraire. Il faut peut-être s'attendre à quoi par rapport à Mohamed, son successeur? Je pense, d'abord, il faut attendre que Mohamed, ça soit officiel. C'est lui. Mais ils vont faire une choura, à mon avis, une assemblée consultative pour officialiser ça. Il est quand même député à l'Assemblée nationale. Il est député du parti au pouvoir, le RPM. Et au sein du RPM, vous avez, parmi les députés du RPM, vous avez au moins deux qui sont de là-bas. Il y a Amadak Bibi et lui et Mohamed qui sont plutôt reconnus pour être plutôt des modérés. Je pense que ça peut faire évoluer les choses parce que... mais il ne faut pas être trop pressé parce qu'au début, à mon avis, il n'aura pas l'aura, l'influence qu'a eu son père. Je ne pense pas. Mais évidemment, quand la Mélocale parle là-bas, il faut pouvoir le respecter. Ce n'est pas quelqu'un qui va être pour la partition du Mali. Il faut le respecter et puis ça peut servir de levier puisqu'on a vu lors de ces funérailles là, aucun coup de feu n'a été tiré. Il y a des délégations qui sont venues. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on pouvait aller à Kidal sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Pas Moussa Mara. Voilà. Je croyais avoir dit le contraire. À la condition de prévenir, bien sûr, qu'on arrive. Mais de baliser. Voilà. Mais quand même, hein, quelques semaines avant les événements du mai, il y avait une délégation, un émissaire du président qui avait été reçu par Ag Intala et on avait prévu une rencontre de toutes les communautés, hein, du Niger jusqu'à la boucle. Mais les réponses... On n'a pas pu attendre les résultats et les événements du 21 mai sont intervenus. Est-ce que, Omar, il faudrait insister sur ce levier-là, la famille Ag Intala, la paix peut venir de là-bas, c'est un levier à actionner. Le véritable point d'achoppement au Kidal, tout le monde le sait, même si on ne se le dit pas ouvertement. Pour certains aussi, il fallait éclabousser cette hégémonie des Intala pour qu'il y ait paix. C'est les deux visions. Mais bien sûr, l'architecture sociologique dans cette zone-là est telle que, comme l'a dit Maître Konaté, si Amenokal parle, il est respecté, il est écouté, il a un aura. Maintenant, pourquoi, depuis tout le temps qu'il a eu à faire à la tête ça, de cet Amenoloka, il n'est pas parvenu à véritablement faire apaiser la situation et si possible à le faire disparaître à jamais? Mais pour vous dire qu'il y avait non seulement un double jeu de la part de cette famille, mais autrement que ce double jeu va continuer. Ils vont continuer à tendre la main à l'État tant qu'il le faut pour pouvoir s'enrichir, je ne sais pas par quelle voie législative ou voie autre, je ne sais pas, ou du moins, ils vont continuer à s'appuyer sur la gâchette, au moins pour troubler davantage la quiétude de l'État malien. Maintenant, si on reste un peu dans la posture de la lisibilité de cette famille, j'ai l'impression que, dans un paradigme d'analyse, ils ne sont pas des solutions, ils sont des problèmes. Maintenant, sortons de cette logique du mensonge qui consiste à dire, tantôt il y a Mohamed qui est pour nous, tantôt Intala était avec nous, le tout embarqué dans un chemin de compréhension sont contre le Mali. Donc, évitons ça. C'est pas une exception. Il y a peut-être des Intala dans toutes les régions. Il y a des autorités coutumières. C'est dans toutes les régions. Peut-être qu'il ne faudrait pas particulariser. Non. Ça fait partie des us et coutumes. Moi, je ne suis pas dans l'amalgame. Ça, il faut le dire à quelqu'un qui travaille pour une grande radio étrangère et qui a couvert les funérailles. Enfin, la mort, le sujet de la mort de Intala comme si c'était le Dalai Lama. Donc, c'est... Serge ne me regarde pas avec ses yeux de gendarme. mais ça, c'est pour moi la preuve a posteriori. Je m'étais toujours battu contre ce que j'entendais. Je pensais que c'était vraiment que tous les médias étaient indépendants, etc. Mais la manière dont la mort de Intala était couverte par RFI est quand même assez troublante. Mais je reviens sur le sujet simplement de... Est-ce que la famille Intala est essentielle à la paix à Kidal? Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas d'autre solution que de négocier avec les vrais fauteurs de troubles au nord. Les vrais fauteurs de troubles au nord, c'est les djihadistes.
Soit on les écrase, soit on négocie avec eux, mais cette situation-là, mi figue mi raisin, n'est pas possible. Et puis, il faut savoir que la famille Intala, récemment, a été plus ou moins une espèce de filière de blanchiment pour les gens dans Sardine.